Depuis l'ouverture des soumissions, toutes sortes d'hypothèses d'allégations ont fusé. On a parlé de prix gonflés par les entrepreneurs, de dépassement de coûts, de collusion, sans jamais remettre en question les estimations faites par la Ville, ses services et les professionnels embauchés à forfait. Mais le comble est venu hier. Non pas par l'annulation du contrat, ça on s'y attendait tous, en passant, dépassement de budget majeur. Je crois que la Ville a fait une bonne décision pour les payeurs de taxes de ne pas aller de l'avant avec les prix reçus. Par contre, le renvoi du dossier à l'UPAC, ça a été une vraie bombe pour nous autres. Et pas juste pour nous autres, pour toute l'industrie. Les autorités municipales se sont bien gardées d'accuser quiconque, mais en ne visant personne en particulier, ils ont mêlé tout le monde. Ils ont sali tout le monde. La décision du conseil de confier le dossier du PAC est malheureuse. En tout respect, cette décision témoigne d'une mauvaise évaluation et d'une mauvaise compréhension des coûts par les représentants de la Ville. Je regrette que la direction de la Ville n'ait pas jugé opportun de nous rencontrer en personne pour avoir ligne à ligne, ligne par ligne, notre estimé et notre soumission. L'entreprise familiale que je dirige et qui fait des affaires depuis 113 ans dans la région s'est classée le plus bas soumissionnaire, comme vous savez. Et dès qu'on a fait allusion à de la collusion, évidemment, le plus bas soumissionnaire est celui qui devra en profiter. Donc, il est coupable. Ed Brunet fait partie des bâtisseurs de cette ville. Et jamais je n'accepterai qu'on salisse ainsi la réputation de mon entreprise, de ma famille et de mes employés. Nous n'avons rien à cacher et nous allons ouvrir tous nos livres pour collaborer pleinement avec l'UPAC et rétablir notre réputation. À cet égard, nous examinons présentement toutes les avenues et recours qui s'offrent à nous. Le message que la Ville envoie à la population, c'est que nous avons demandé 15 millions de dollars de plus que ce qu'il en coûte selon leurs estimations. Ceci est faux. Cela dit, nous comprenons que le processus suivra son cours et nous le respecterons. Nous sommes certains qu'une fois les faits analysés, la conclusion sera qu'il n'y avait pas matière à soumettre le dossier à l'UPAC en ce qui concerne Ed Brunet et associés. Enfin, il faut comprendre que ce n'est pas parce que le conseil confie un dossier à l'UPAC que ça veut dire qu'il y a matière à enquête.